Alors, les CP, on est parti pour la séquence 108. Donc, vous ouvrez votre fichier et on fait les ronds en haut. Donc, le rond violet. Vous pouvez vous aider de votre plaque carton ou du modèle qu'il y a sur l'écran. Combien y a-t-il d'œufs dans 6 paquets de 5 œufs Dans 6 paquets de 5 œufs. Rond vert. Combien y a-t-il d'enfants dans 4 équipes de 2 enfants Quatre équipes de deux enfants. Rond rouge. Combien y a-t-il de bonbons dans quatre sachets de dix bonbons? Quatre sachets de dix bonbons. Rond bleu. Combien y a-t-il de fleurs dans cinq bouquets de cinq fleurs? Cinq bouquets de cinq fleurs. Enfin, combien dans le rose y a-t-il de gâteaux? dans 6 paquets de 10 gâteaux. 6 paquets de 10 gâteaux. Attention, vous prenez votre crayon bi-vert, voici la correction. Je vous laisse corriger. Et maintenant, nous allons faire la double page de la séquence 108. Nous allons commencer par regarder ce qu'a fait Géome à droite pour dessiner des objets avec un formographe. Donc, euh, est-ce que vous avez retrouvé, est-ce que vous imaginez ce que c'est en voyant le titre en plus Il a dessiné trois fusées. Donc, sur ce dessin, il a utilisé le formographe. Il a dessiné des triangles non réguliers, des triangles réguliers qui ont la même mesure des trois côtés. Il y a aussi des rectangles réguliers ou des carrés. Et à chaque fois, on a une grande fusée, une moyenne fusée, une petite fusée. Ça veut dire que là, on a des triangles réguliers. On a le grand, le moyen, le petit. Ici, on a des rectangles réguliers ou des carrés. On a un grand carré, un moyen carré, un petit carré. Et enfin, on a des, des triangles non réguliers. On a des grands triangles non réguliers, des moyens et des petits. Sur la page d'en dessous, enfin sur le cadre en dessous, ici, vous avez le dessin de Quick Quick. Donc là, je vous ai mis le petit modèle de Géome et le grand modèle de Quick Quick. Donc vous pouvez vous comparer plutôt sur votre double page ce hein, sera plus, fin, plus simple que sur l'écran. Donc vous devez trouver les trois erreurs de Quick Quick. Je vous laisse faire. Vous mettez pause. Attention, on va corriger. À chaque fois, il y a une erreur dans chaque fusée. Donc, dans la première fusée, il a bien utilisé les bonnes formes, mais au lieu de coller ce triangle régulier au carré, il l'a mis un petit peu trop loin, ce qui fait qu'il y a un espace ici. Donc, ça, c'est la première erreur. Dans la deuxième fusée, la petite, il a bien collé toutes les formes les unes contre les autres, mais il s'est trompé de taille. Ici, il aurait dû prendre le petit triangle régulier et il a pris le moyen. Donc, il y a une erreur. Dans la troisième fusée, vous avez dû chercher un moment en vous demandant mais non, tout, tout va bien. Ce qui ne va pas, en fait, c'est que, regardez, dans le modèle de Géome, le premier triangle non régulier, il est venu le coller juste à côté. Et là, regardez, il est trop loin. Ce qui fait que la fusée ici, elle ne tient pas. Regardez, elle déborde du cadre. Cette fusée, elle aurait dû se trouver plus à gauche, plus collée vers la grande fusée. C'est la troisième erreur. Donc, dans cette double page, sur la page de gauche, vous avez d'abord le triangle non régulier. Regardez, celui-ci est déjà tracé. Il est déjà fait. D'accord donc, ça veut dire que nous, on va partir du grand triangle non régulier pour construire notre première fusée, la plus grande. Et nous allons dessiner dans ce cadre-là, dans le cadre A, avec le formographe. Donc, vous avez besoin du formographe. Donc, moi, j'ai remis le cadre A en face de vous. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Donc, on prend le formographe et on va placer le formographe. On va prendre le grand carré, puisque c'est la grande fusée. On va prendre le grand carré et on va mettre le formographe. Vous voyez, le formographe, il est là. Je vais mettre mon carré juste à côté de mon triangle non régulier. Je vais mettre le haut du carré bien en haut du triangle non régulier. Une fois que c'est fait, on dessine le carré. Ensuite... On a besoin de faire l'autre triangle non régulier qui est de l'autre côté. Regardez celui-ci là, le triangle non régulier qui est de ce côté. Sauf que moi, quand je prends mon formographe, il est là mon triangle non régulier et si je essaye de le mettre, ben là il va bien, mais moi je voudrais pas qu'il soit dans ce sens-là. Alors je vais essayer de le tourner, mais ben, oui, mais non parce que moi en bas je voudrais. Que mon trait soit couché. Et là, mon trait n'est pas couché. Donc, ça ne va pas. Donc, ça ne va pas. Donc, si ça ne va pas, il faut que je trouve un autre moyen. Ah oui, vous vous rappelez On n'a jamais dit que euh, quand on allait faire des figures avec le formographe, on allait souvent être coincé avec ces triangles non réguliers. Et que souvent, il allait falloir retourner le formographe comme une crêpe. Vous vous rappelez Hop Voilà, ça y est, je l'ai retourné comme une crêpe. Et oui, effectivement. Cette fois-ci, j'ai mon formographe et il est dans le bon sens. Regardez, je peux le mettre correctement contre mon carré. Une fois qu'il est bien contre mon carré, je prends mon crayon de papier et je dessine mon triangle non régulier. Il me manque le triangle régulier du haut de ma fusée. Pas de souci, je prends mon formographe, mon grand triangle puisque c'est la grande fusée. Je vais le prendre ici. Je vais placer mon grand triangle régulier en haut de ma fusée. Et je vais tracer mon triangle tout en haut. J'ai fait ma première grande fusée. À vous maintenant de faire la moyenne fusée. Vous vous rappelez, il faudra bien la faire à côté. On commencera par le moyen triangle régulier qu'on viendra placer ici. Et puis, ensuite, on fera le moyen carré. Puis le moyen triangle non régulier. Hop On retourne le formographe comme une crêpe. On finit par le triangle régulier tout en haut. Et en dernier, on viendra caser la petite fusée en plein milieu ici. Ce n'est pas facile. Essayez de ne pas trop appuyer avec votre crayon quand vous allez faire les tracés. Comme ça, si vous vous trompez, vous pourrez plus facilement gommer. Une fois que vous aurez terminé, vous aurez tracé vos trois fusées dans ce cadre. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire dans le cadre C et dans le cadre D. Ici, je vous ai entouré dans les consignes ce qui était important. Parce qu'à chaque fois, regardez, c'est marqué ⁇ calcul en barrant ⁇ calcul en barrant. Et là, j'ai mis ⁇ au début ⁇ à la fin. Alors oui, effectivement, c'est un grand nombre. Vous vous rappelez, quand on barre un grand nombre, il vaut mieux enlever les premiers, ceux du début. Alors que quand il y a des petits nombres à enlever, il vaut mieux les enlever à la fin. Vous pouvez bien évidemment prendre une ardoise et puis dessiner les jetons. Donc là j'ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 et 5, 10 et un 11. 7 c'est beaucoup, donc je vais barrer les 7 premiers et pas besoin de les compter. 7, je sais que c'est 5 et 2. Pouf Il m'en reste combien Et si c'est un petit nombre? Il vaut mieux que je les barre à la fin. 3, c'est 1 et 2. Hop, combien il m'en reste, je le vois tout de suite. Pas besoin de compter. Voilà, vous avez vu Pas besoin de compter. Il suffit juste de bien dessiner vos jetons. Ici, on vous dit, calcule en choisissant ta stratégie. C'est un grand nombre, du coup, on va, on va barrer au début. C'est un petit nombre, du coup, on va barrer à la fin. C'est un petit nombre, on va le barrer à la fin. C'est un grand nombre, on va le barrer au début. Ensuite, je vous ai mis, il va falloir me trouver la moitié de 12, la moitié de 14, la moitié de 16, la moitié de 18, la moitié de 20. Et enfin, bah, et on refait encore une fois le même exercice qu'ici, sauf que, vous allez voir, c'est quelque chose de particulier. Et peut-être que, puisque c'est dans le cadre des moitiés, peut-être que vous allez pouvoir vous aider de ça. Vous allez voir. Si vous ne vous aidez pas des moitiés et des doubles, vous verrez la fin à la fin les résultats. Peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Allez, bon travail.